d'un père et de son fils. Oh, le fils trouvait que le père n'était pas aussi intelligent que les autres papas. Un vrai papa, il ne peut pas être pêcheur. Un vrai papa, il doit être chasseur. Chasseur, bien sûr. Bah oui, mais lui, il est pêcheur. Et du coup, il avait honte de son père. Quand il était avec ses amis, il ne voulait pas dire, c'est mon père, là. Non, non. Quand il voyait ça, encore lui. Oh là là, quel père ai-je? Mais pourquoi il ne peut pas répondre à cette question? Pourquoi il ne sait pas quand on rencontre un éléphant qui... Oui, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es bête? Pourquoi tu t'es mis avec ce type-là? Comment ce type-là? C'est ton père? Lui, mon père? Aïe, 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 aïe. Tu vas être maudit, toi. Il va t'arriver des choses bizarres. Non! Moi, je ne peux pas être comme lui. Hein. Un jour, moi-même, on va se marier. Il y aura du monde. Et comme c'est des invités de marque, il faut aussi des mets de marque. Et l'enfant va prendre le filet, et avec le papa, et voilà, il se dirige vers la rive. Le papa, il remonte le filet, et dans le filet, il y avait un gros poisson. Ce poisson qu'on a fait, c'est quand même bon. Je vais bien vérifier si mon père peut faire quelque chose de bien. Il a relâché le silure, et à la place, il a pris une pierre, et l'a mis dans le panier. Et là, le papa dit, bon, écoute, il y a des gens qui nous attendent, on va faire à manger. Prends la grande marmite et fais bouillir le silure. N'oublie pas d'y mettre des oignons, du gombo, de la mève de couvercle. Le papa regarde le silure, et le papa dit, alors là, l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait, chers amis? Et, au lieu de prendre le filet, voilà qu'il va se cacher dans une graine d'arachide. L'enfant qui est dans la graine d'arachide se retrouve dans le ventre du notre cher coq qui vient d'avaler sa graine d'arachide. Le coq se retrouve dans le ventre de la civette se retrouve dans le ventre du. Très bien. Maintenant, vous êtes le papa de cet enfant. Allez retrouver votre enfant. Ramène-moi mon fils, ramène-moi mon fils.